Retrouvez cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa, une programmation jeune public qui s'inscrit dans un festival dont on est partenaire cette année encore, qui est Télérama Enfants. Nous organisons deux événements ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 mars. Nous commencerons par une journée Japanimation, à 14h Marie et la fleur de la sorcière, suivie à 16h du dernier Mamoru Soda Mirai ma petite sœur, et enfin, pour la première fois sur les écrans en France, l'un des premiers films de Hayao Miyazaki, Le château de Cagliostro. Ensuite, dimanche 3 mars, nous vous proposerons une avant-première à 16h30 d'un très très joli film d'animation qui s'appelle Tito et les oiseaux, réalisé par Gustavo Steinberg. C'est un film d'animation brésilien, alors qui reprend une partie de la crise politique que vit le Brésil actuellement. Alors ce n'est pas du tout un film alarmiste ou larmoyant, mais il est quand même question pour un groupe d'enfants intrépides de sauver le monde et de vaincre la peur qui finalement gangrène le Brésil et le monde. Je suis immunisée contre la peur. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je n'aurais peur. Et que je prouverais que mon père avait raison pour les oiseaux.